consomme ma dernière flotte. Bonjour VOD. On fait le boss. Moi aussi je fais pour vous. Ok, c'est bon. Bon, mon truc mentholé c'était bien. On est parti. Oui. Attends, j'ai un souci. C'est pas ouf, Flux. Ouais. Mais parce que je pouvais pas ranger, je pouvais pas prendre un truc à deux mains. Et c'était un souci. Ça va aller mieux. Je prends, c'est bon. Sur toi. Hop là. Un petit mob qui va exploser, je pense, qui va venir sur nous. Derrière toi. Ah, c'est lui en fait. C'est lui qui explose. Fourmi de feu. Au sol à tes côtés, là. Tu vois pas? Hein? Pourquoi, de quoi? Fourmi de feu au sol, tu vois pas? Bah ouais, mais elle moi je fais le boss. J'essaie de focus le boss pendant que tu fais la fourmi. Ouais, je sais, mais elle te tapait. Ah non, elle me faisait rien, hein. Je pas si elle te suivait, je lui ai tiré dessus, du coup elle est venue sur moi. Okay. C'est pour te prévenir qu'on s'en débarrasse. C'est que j'essaie de focus le boss. Oui, on s'en fout, les fourmis peuvent nous mettre des dots et tout, elles sont horribles. Le boss ça va, il est tranquille en vrai. Enfin, c'est surtout le cumul, tu vois. S'il en fait pop une autre après et puis un autre. Il va exploser, recule. Non. T'as encore une autre fourmi. Ah, cette fois c'est une grosse cette fois. Je sais plus à quoi sont sensibles les fourmis. Bah, c'est la fourmi. Bah, comme lui, le froid. Vu que c'est des fourmis de feu. Oh merde. Voilà. Il m'a grippe. Il a fait une toile d'araignée, ça m'a grippe sur lui. Il se fait exploser ses pustules, c'est écœurant. Je sais ça si c'est mieux. Non, c'est pas mieux ça. Je testais. Comment ça, inventaire plein, putain, il met... Dégage toi, voilà. Un cul là. Oh, je vais essayer ça. On peut pas le stun lui. Non. Oh, il pète. Je vais mourir. Il est trop proche. Ouais. Je me healais pas flèches. Parce que je voyais pas trop l'intérêt. Non. Je loot les flèches sans vouloir et ça remplit mon inventaire. Tu m'apparaisses, tu ne m'apparaisses. Je sais. Ah oui, ok. Mais je te prévenais, juste. Mais je l'ai vu, t'inquiète pas. Mais je disais que depuis tout à l'heure, j'arrive pas à prendre mes armes à deux mains. Parce que bah, je loot des trucs sans le vouloir, ça me saoule. Ça aurait été bien s'il faisait pop des mobs en permanence, oui. Ça aurait été plus dur. Ça aurait été plus dur, ouais. Là, il est beaucoup trop simple. Bah, la veuve noire était bien plus dur, hein. On a une mutation, toi aussi? Ouais, étrangement de sérieux. Mais oui, tous ces trucs-là, ils font toujours des mutations. Étrangement de sérieux. Ouais, c'est vrai que je... vous avez l'impression qu'un allié improbable veille sur vous en permanence. Ah. Merci, Ron. 1000 sciences, le fourman. On a le fourman. En anglais, c'est pas mal. Hein. Une autre mutation, trappeur pire. Vos compétences de cueilleur appliquées et vos prouesses de chasseur ne font qu'un. Une connaissance approfondie des créatures du jardin gravée dans votre mémoire vous donne une chance d'effectuer de puissants coups critiques. Oh, c'est marrant ça. Attention. J'ai plus le reste rapide maintenant. Et voilà. Ou je vais remettre de la parade. Ouais, voilà. T'as appuyé? Oui, ça ouvre une porte qui a été fermée de l'autre côté. Et puis ça, bah, ça nous permet de sortir, j'imagine. Et sinon, on peut pas. J'en peux plus de cet inventaire. On a gagné. Ah, encore. Là on attend. Ok. On est trop fort. On a même pas eu besoin de soins.
C'est d'où on venait, je crois. Ouais. Maintenant, c'est où on doit aller. C'est ça. C'est ça qu'on vient d'ouvrir. Ok. Oh. Mais c'est... Okay. On sait qui c'est. Ouais, on pense que c'est lui qui a pété un câble, mais bon. La voix ressemble aussi. J'ai tué mon ment. What? Vas-y, j'appuie. Oh, vas-y. Trop curieux là, j'ai envie de savoir. Vas-y. How dare you? Il va être tout petit, tout rikiki, tout nul. Ah, il est dedans. Bah ouais. T'imagines s'il est encore plus petit que nous? Ah non. Oh, wow. C'est une tête flottante. Ah la vache. Oh, c'est juste un cerveau avec des lunettes. Ouais. Futurama. Oui. Trop bien. Agent dominant, ils sont enfin venus me chercher. Je peux dire psst, c'est moi. Je voulais dire ça, on va voir. Mes soupçons étaient justifiés. Avec, je n'aurais jamais dû remettre en question mon jugement. Allez-y, vilain. Que votre destin serve d'avertissement à tous les serviteurs de vos employeurs. C'est que du coup, Lox. Attendez, c'était une blague? Juste une blague? Vous n'êtes qu'un enfant. Oui. Pardon, oui, tu dis. Il y a des chances qu'il n'y ait pas de remède, du coup, s'il n'a pas réussi. Ouais. C'est une homme qui a fait ça, pas vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Honnêtement, beaucoup... Ou alors ils vont nous sortir le cliché du « je n'ai pas réussi, mais vous pouvez y arriver, il suffit de rajouter ça, tu sais. » On verra. Les chemicteurs et ses sbires qui ont actionné l'interrupteur, mais c'est toujours mon invention et ma responsabilité. Dire que vous avez été pris tout cela, vous êtes enfant, à peine âgé, à peine plus âgé que Sarah ou Thor. Ah mais on en a entendu parler. Est-ce que je suis devenu... Bah, on a vu les jeux, il y avait la grenouille, elle était à tort, je crois. Ouais. Le jouet, là. Bon, je lis une longue histoire. Des choses terribles, vous en avez ici, des choses terribles qui sont sans doute de ma faute. Sans aucun doute de ma faute. Ouais. Ah, tu peux lire toi aussi. Bah, c'est vrai. Ouais, ouais. J'ai jamais voulu faire de mal à personne, je ne mérite pas, mais j'espère que... Un jour, vous pourrez me pardonner. En parlant de pardon, veuillez excuser mon apparence ratatinée. Ce fichu résignement a fait des ravages sur mon corps. La capsule de soutien est la seule chose qui m'empêche de t'essécher complètement. Alors, c'est quoi le résignement? Comme le raisin exposé au soleil. Ah, c'est ça. Le corps sur la latine se flétrit, se dessèche. Que je peux être rasiné? Dans le jardin depuis des mois, vous devrez être bien rasiné à ce stade. On est au 103e jour. Pour info. Ok. Rien dans mes recherches n'a montré qu'il y avait une quelconque immunité contre elle et pourtant vous êtes là. Peut-être est-ce parce que votre corps jeune est plus résistant. Vos corps jeunes sont plus résistants. Sans doute pour cela que Ovinant a commencé à faire des expériences sur les enfants. Mais... Le corps a trouvé un remède. C'est quoi ces réponses? Je veux dire, pourquoi avoir été un sale type? Oui. Bonsoir ami Bulka. Si je déteste cet homme, je dois admettre que le facteur était brillant à sa façon. On ne peut pas exclure la possibilité qu'il l'a fait. Ouf, cachez-vous ici. Quand le passerillage est devenu trop fort, j'ai réalisé que je devais trouver un remède avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis caché ici, loin des yeux. C'est quoi le passerillage? Aucune putain d'idée. J'espère que je peux le... Pose-lui la question s'il te le propose. Combien t'as toujours voulu me voler mon travail? Ils n'admettront jamais sa valeur et sa grandeur, et pourtant, ils ont toujours voulu le voler. Surtout Schmector. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, d'innombrables vraiment. Mais l'une d'entre elles, que je ne referai jamais, est de laisser mes recherches tomber entre les mains de cette société. Et je dois mourir pour ça. Sonne ainsi. Bon, je peux demander comment rentrer chez moi. Je dois rentrer chez moi, mais je peux dire d'autres trucs avant, donc je vais faire ça. Qu'en est-il de votre famille? Seulement, je pourrais inverser le temps.
Une sorte de machine à voyager dans le temps. Toutes les preuves scientifiques semblent indiquer que ce soit impossible, cela dit. Oui. Oméga. Qu'est-ce que c'était le truc du M-A-N-T, du MANT? Alors c'est détérioré, j'ai créé le MANT pour servir de corps temporaire. J'aurais jamais imaginé que l'instinct de la sexe subsisterait, encore moins qu'il deviendrait conscient. Okay. Comme toujours, mon plus grand succès, mon suivi, de mes plus grands échecs. Un hyper scientifique. Oui, bien sûr, chez vous, vos parents doivent être inquiets, tellement inquiets. Le processus n'est pas difficile. Vous n'aurez qu'à préparer un cocktail d'agrandissement. Vous savez qu'on a déjà. Alors, non, il ne manque un ingrédient. Il ne manque un ingrédient, donc je vais demander quel est un ingrédient secret. Vous êtes sage au-delà de vos années. Il y a un ingrédient secret. Le processus. Maison de pied. Oh putain. Le processus d'agrandissement est extrêmement éprouvant pour les sujets vivants. Vous aurez besoin de suffisamment de nutriments et de protéines pour survivre à la restauration de votre taille initiale. Nous utilisons la cellule d'agrandissement pour réguler l'expansion grâce au cocktail secret. L'ingrédient du cocktail comme la kératine. Des ongles d'orteil, putain, tu le savais? Ah, c'est parce que toi, tu cliques. Non, non, mais je crois que c'est ce qu'on a déjà, non? Genre, c'est pas le troisième ingrédient, les ongles d'orteil? Peut-être, je sais plus. Oui, sûrement. Mais surtout, non, non, mais je m'en souvenais plus, mais c'est que je me suis dit, c'est bien dégueulasse comme ils aiment bien. C'est vrai. J'avais pensé ça ou j'avais pensé au Milk Molar, mais en fait, je pense pas. Genre, c'est une dent, ouais, je sais pas quoi. C'est vrai que c'est une tête fripée, c'est pas un cerveau. What? Ah, c'est la lampe. Zut, cassé. Si le sujet grandit trop rapidement, alors il survient à une surexpansion. Pour faire simple, le sujet explose. Ah, d'accord. Pour contrôler cela, nos infusions. Des infusions soutenues de dioxyde de carbone gazeux doivent être ajoutées au mélange. Ce sera un ingrédient secret qui fonctionne parfaitement à cet égard. Science grillée. Ouais, c'est celui-là, je le vois. Je me demandais ce que c'était depuis tout à l'heure. Science votre représentation, ça j'ai hésité, mais les poids elles font. Il y a deux burgers en haut, j'en ai pris un. Ok. J'ai rien dit. Le barbecue. Il y a toute la bouffe du monde. Bon. Alors qu'on ramasse la science grillée de Vended. J'arrive. Elle est là où je suis. Il y a toutes les bouffes du jeu, je pense. Ça fait chier, on a. Bah soit on poursuit, soit on rentre et on revient. Après, si ça se trouve, c'est la fin. Si ça se trouve, là, on va réussir, je sais pas. Pas trop. J'essaie de prendre les bouffes que je peux. Alors, je vais jeter les compos qu'on a presque pas, parce qu'on s'en fout, genre la tête de machin, je m'en branle. T'as des plumes de corbeau, des flèches non. De corbeau ou pas? Ah oui, j'en ai, okay. J'en ai encore 35. Tu peux les prendre? Oh, j'en ai 28. Non, c'est pour savoir si vous pouvez regrouper. T'as du sel ou pas? Non. J'ai de la menthe. Bah des anciens éclats, les premiers là, on s'en fout. Je vais garder le rang 2, hein. Au cas où je... Éclats de main fragile, on s'en fout, voilà. Bah les... Pff, ça c'est du gâchis, les fusils éclats. Ouais, si, on sait jamais. On sait jamais. Non mais là, on peut peut-être s'en servir là, maintenant. Ah oui. Tant même, je l'ai... Ok, j'ai de la rouille. T'as des cornes de scarabée bœuf, t'as? Attends. Je te dis ça tout de suite. Ah, j'ai pris. Alors, non, j'ai des bouts de scarabée bœuf, mais pas leurs cornes. J'ai deux pattes d'araignée. Oh, je vais jeter un. T'as des morceaux d'araignée ou pas? Non, je. Moisissure, j'ai. Pas... Oui, moisissure, oui. Ça, c'est de la bouffe que t'as pas mangé, ça. Non, 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 c'est tout à l'heure en tuant le boss. Il y en avait sur lui. Moi qui les loot. Ah, d'accord. Il reste un burger. À gauche. Ça. La place. Ah, mais il y a trop de trucs, j'ai déjà pris deux de bouffe. Bah en fait faudrait que j'en mange un. Toi, tu peux en manger un toi? Je viens de le faire.
Je vais peut-être réparer des trucs. De toute façon, ça... je me dis, c'est s'il y a un combat de boss. Ok, et eh ben c'est parti pour la science grillée. Voilà, on peut lui reparler. On pourrait partir, j'ai de la science grillée. Bien, bien, dans ce cas, nous avons tous ce dont nous avons besoin. Je vous ramènerai chez vous, je vous le promets. J'ai peut-être laissé tomber mes propres enfants, mais je ne vous laisserai pas tomber. Vous n'avez pas abandonné vos enfants, pas encore. Je rentre à la maison. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je veux dire, vous avez rien pas... à scanner J'ai déjà fait. J'ai fait un truc à scanner. Des trucs, des mandibules de... Ah pardon, excuse-moi Infernalou, j'avais pas vu que tu vas te coucher. 10 minutes mini, non, c'est bon, c'est pas nécessaire. Sur Grandit, ça va aller, je pense. Moi, je sais pas, des gens, ils spoilent des fois. Non, c'est bon. 3h du mat, il y a des dingueries. Non, non, parfois juste quelques chiants selon les jeux. Mais non, ça va aller. T'es gentil, surtout qu'on risque plus de nous spoiler grand chose, je pense. Vous n'avez pas encore abandonné vos enfants. Des bisous, bonne nuit à toi. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. Peut-être pas encore trop tard. C'est infernal, des bisous. Des bisous. Au pire, je suis pas loin. Et bonne nuit, la chair. Moi je sens qu'il va se passer une dingue. J'ai confiance en Wendels. Plus confiance en Wendels que n'importe qui sur cette planète. Oui, oui. Bon, on va le suivre. Hein. Ça se trouve, on a pris plein de compos pour rien. Attends, 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 je viens. Quoi? Non, je suis parti jeter des. Oh, les lapes que j'ai ici, faut surtout pas ouvrir cette porte. Je suis parti jeter des. C'est pour ça que je suis allé là-dedans. C'est des objets. Et où le truc d'agrandissement? À l'opposé. La porte à l'opposé. Il va se passer des dingues. Pas me chasse avec des pavés, tu verras pas les messages de spoil. Plus pas con, ça c'est une bonne strat là. Ah bon, c'est là? Ah mais c'est loin en fait. Attends, c'est où sur la map? C'est la machine. Ah bah oui, j'avais un matic, tu te rappelles? Oui, c'est la toute première. C'est la grosse machine. Ah, faut qu'on l'amène jusque là-bas. On est oh, une quête d'escorte de 200 km. Ah non, pas besoin d'escorter. Non, non, il ne suit plus. C'est barré? Ouais, il ne suit plus. Mais je pense que c'est fait exprès pour pas que tu te le tapes en fait tout le chemin. Okay, et comme okay. Ça, bah. Voilà. On comprend le principe. Bon, on est parfait. Je vois à peu près où on est. On est là où il y a les termitières. Termitières. Où est-ce? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une araignée vénère sur toi. Les araignées. Non, c'est une. Petite bougie. Une petite bougie. Incroyable. Non, mais attends. What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fourmi de feu orc ORC. Attends, je scanne. Attends, oui, moi aussi, oui. Ah, ça fait rien. Ah, une Z! C'est Tully! Oh, c'est Tully, il nous fait pas mal! Mais je suis trop. Qu'est-ce qui vous tracasse? Il arrive comme ça, mais what the fuck, je comprends rien. Attends, je vais mettre la mutation aussi qu'on a eue. Au cas où. Ouais, je l'ai mis aussi, vous avez l'impression qu'un allié, je l'ai mis. Je ne sais pas ça. Je vais enlever H2 parce que j'utilise pas tant que ça. Ah non, maîtrisation, j'enlève. C'est lequel? Et la map elle a peut-être un peu évolué. Ok. Il est où? Il est où? Bah, je pense que du coup le design grounded pour 4 joueurs il est bien quoi. Rien que côté ouais. Inventaire, partage un peu les stacks. De toute façon quand tu formes les trucs rares
C'est un bordel, vos inventaires, on dirait que vous êtes parti 6 mois. Oui, j'avais pas vu. Ouais, et comme dit Envy, c'est vrai que le jeu est quand même pas mal prévu pour 4 joueurs. Ça se voit sur pas mal de trucs. Hein. Et en dehors de ça, là, on est parti aussi dans un endroit où il y avait particulièrement beaucoup, beaucoup de compos. Mais aussi, on a voulu beaucoup s'équiper pour y aller. Pour une raison très logique, c'est qu'on savait que c'était la dernière grotte quasiment où il y avait le plus de mobs possible. La preuve, on a affronté une veuve noire et tout. Mais du coup, ça fait que on s'est presque trop équipé en vrai. Il y a des trucs. Non, genre, moi, j'ai pris plein de flèches, j'en ai à peine utilisé. Ah oui, moi pas mal déjà. Moi, j'avoue que pas trop. C'est vrai que c'est beaucoup les armes au cac. Et même sur la veuve noire, des fois, quand elle était loin, pendant que j'allais vers elle, je tirais une flèche, je changeais d'arme, tu sais, pour gratter, tu vois. Moi, ouais, c'est pas con. Dès que je l'ai lossé pour me soigner, je revenais, je tirais, ou des fois elle était plus chargée, donc ça chargeait la fenêtre. Du petit grattage, tu vois. Je vois pas où on est. Ah, c'est bon. Je sais si on était. Je sais si au niveau de la termitière, au niveau du bois, tu sais. Ah oui, mais c'est les ladybugs d'ici, elles font mal, j'avais oublié. Ah, tu te bats là? C'est que je suis passé devant et on attaque. Oh, mais Atoli, il va m'aider. Elle fera pas sa maligne, la piote. Oula. Il faut que je fasse le tour. Ok. Pareil sur tous les jeux, je prends plein de trucs au cas où. Mais après, j'ai plus de place. Bah là, d'habitude, ça va, j'ai pas trop de trucs useless. Là, c'est juste que j'ai pris beaucoup de flèches, alors que c'est pas un gameplay que je fais beaucoup avec les flèches. Donc j'aurais pu peut-être juste en prendre un stack ou deux grands max et m'arrêter là. Mais le problème aussi, ça c'est dommage, c'est que la bouffe ne se stack pas. Et c'est assez dommage. Parce que bah, quand tu pars longtemps, il faut de la bouffe. T'es obligé. Ouais, c'est pour la péremption. Pourquoi que... Pour la péremption. Ouais, c'est péremptoire. Péremption d'innocence. Ah, mais va falloir qu'on remette le courant. Ouais, il va nous le demander, j'imagine. Ouais, c'était ça qui nous... D'accord. On avait vu. J'arrive, je monte. Merde, c'est vrai qu'il fallait faire gaffe à ça. T'es morte? Ouais. Oh, je vois. Ah. Et ça, tu sais, il me propose pas, c'est le coup de jus. Ouais, c'est instant. Bah, je vais voir le poste de recherche, on va voir. Je t'ai fait avoir une fois. Je vais te dire que j'ai pas attention. Ouais, bah moi non, donc j'avoue que j'avais... Mais surtout qu'il y a la tyrolienne maintenant. Ouais, bah... C'est pour ça que j'ai fait. Moi dans le nord, je sais même pas où on est. Hein. Donc s'il y a une tyrolienne qui pouvait nous aider, je sais pas où elle est non plus. On dit pyrolienne. Donc... Non. Pas tyrolienne. C'est toi la pyrolienne. C'est la pire des éoliennes. Pyro. Pour pyrotechnique. Ouais, non, t'es la pire. Oh, il est trop loin mon sac. Il faut que je monte, non? Attends-moi s'il te plaît. Lance tout de suite. Non, s'il te plaît, attends-moi s'il te plaît. Non, c'est parti. Attends-moi s'il te plaît. Tu verras la prochaine partie. Attends-moi s'il te plaît. T'inquiète, je récupère. Il y a un peu de science. Il m'attend pas. Non, je récupère la science. Il m'attend jamais. Ok, alors là, je t'attends pas pour la peine. Arrête, attends-moi. Alors, dis que je t'ai attendu. Tu m'attends, je dirais que tu m'as attendu. Ok, alors là je rentre dedans, tant pis, j'étais juste devant. Je dirais que tu m'as attendu quand tu m'auras vraiment attendu.
Mais attends, je cherche mon sac à dos, je trouve plus. Dis que je t'attends. Je t'attends. Je m'enfuis. Mon sac. Ah, j'ai compris comment. Attends-moi. Attends-moi, faut écrire boobs. Insuffisance power. Comment on va jusqu'à lui? Faudrait peut-être lui parler. Ah oui, faut lui parler. Je pense, hein. Ah, le passerillage, tiens. La malédiction de la réduction covalente de l'espace. Ma malédiction. Qu'est-ce que c'est? Condition incontrôlée qui accélère la intégration cellulaire. Comme le raisin laissé sur le perron, mais pour les humains. Et alors, c'était vraiment l'angle de pied le dernier ingrédient ou c'était un des trois? C'est un des ingrédients. Le dernier, c'est de la science boot grillée, je sais pas quoi. Ah, oui, c'est pour ça que je vais m'en souvenir, mais... Et après, ils disent rien de nouveau. Bah, en fait, ils parlent de l'or, là, je regarde un petit peu. Je lui demande, dites-moi en plus à propos de Bulger. Il me dit, c'est la victoire ultime, ma plus grande un réussite. Robot inutile, un robot inutile, mon compagnon. Je trouve ça rigolo. Un peu controversé. Vos enfants, ils me manquent tellement, mais s'ils n'ont jamais montré d'intérêt pour mon travail. Mon bon moment, à nourrir des poissons, à faire des barbecues en été, à regarder des animés. Quand ma science était devenue plus importante que ma famille. Pourquoi suis-je ici? Vous me demandez la même chose. Oh, quelqu'un dominante? Mais pourquoi, dans quel but? Peut-être quelqu'un qui se sentait coupable. Tout le monde dominante n'est pas comme Schmechter. Bon, viens, Lux. On a fait le tour. Il nous dira des choses plus intéressantes après. Comment t'es monté? Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai pété le mur. Il a tout pété. Ah, c'est les trucs de pizza pour pas casser, crase. Je l'ai mis. J'ai posé les ingrédients. Comment t'es monté? Bah, tu croules. Là, là. Puis. Là. Oh, t'as vu, il y a ça. Non. Juste tu sautes et t'avances. Moi, ça marche pas. Bah alors. Si tu fais le truc sans moi. Enfin, il va mettre sa tête dedans. Placer les ingrédients. Faut les mettre là-haut. On les a même pas. Si. Je sais pas. On va voir. Que faut faire un aller-retour pour ça ou il prend en compte qu'on les a et. Bah, les trucs de quête en général, on les a toujours à part. Ouais. Remettre le courant ou repousser les trucs. Ah, oh, les bâtards! Merde. C'est le dernier truc. Tu vas aller chercher? Bah, de toute façon, on va devoir y aller tous les deux. Hein. Reposer ouais. Tout et tout. J'ai la flemme. Allez, c'est le dernier ligne droite, après on a fini le jeu. Non, peut-être pas. Peut-être que si, quand même. On a fait une super base, pas fini. Aïe, j'avais plus de trucs. Ouais, on n'avait plus. Non, quoi? Pourquoi tu boudes là? Tu chutes pas. C'est loin. Mais nous, on a des tyroliennes, on va servir à ça. C'est loin, gobelet. Mais non, ça va. Bébou.
T'as retenu tout ce qu'il nous fallait? Carpcoil, ongle de pied. Oui, ça j'avais retenu aussi. Cuir. Un cuir. On prendra tous les cuirs. Et. Après, je sais plus. Faut demander à Sam. Sam, tu te souviens? Ouais, Sam, tu te souviens? J'ai vu vraiment en une seconde. Une cocotte. Mais t'as pas le droit de nous dire. On va tu pas nous spoil pas. Collecteur de poux. Déconne pas. Moi, j'ai découvert collecteur déconne de poux. Déconne pas, Sam. Déconne pas. Il dit, mais vous me faites chier, là. What? Il y avait une dent ici? C'est où? Ah, il est là. Regardez, oh, il est là. Est-ce qu'on aurait pas dû ramener des clous rouillés pour aller se faire l'épée là? Bah, faut en trouver. Mais là où on était, on avait pas trop. Ouais. Attends. Il y en a. On peut. Oh, on ira après. Attends. On va retourner à la base et après on ira chercher des. Je sais où il y en a. Oh, d'accord. On a pas une tyrolienne sur le bord ici? Ici, dans l'eau. Dans l'eau? Mais non, mais il m'en faut une avant, j'ai plus de trucs. Ah, il me suit, bâtard! Salut Rex Noctis! J'ai jamais atteint de l'eau d'ici. Enfin, on aurait pu faire une tyrolienne plus proche là tout de suite. Oh, je suis déjà rentré. Ouais, mais moi je peux pas descendre comme non, toi. Non, mais hein. Moi je peux pas descendre comme toi, j'ai plus de pissenlit. Ouais, bah faut sauter hein. Bah non, parce que c'est loin. Club de fire pour poignard de la veuve. Rocher de la veuve, on a même pas eu. Ou c'est. Ah, t'as sur toi peut-être. Moi j'ai des trucs. Il m'a même pas répondu. Attendez, si je vais. Ah, oh, mais non, mais j'ai pas Twitch ouvert. J'aurais pu faire un clip pour regarder la rediff. Tant pis, je serai au feeling. Ça, qu'est-ce que t'as toi? De quoi? Ah, aussi t'es sur N, ça. En tout cas, j'ai full plat. Il n'aura pas besoin d'en refaire. Moi, j'ai une tête qui me fuit. Je vais réparer mon. Oui, et donc. Ma torche, on peut la réparer. Oui. Moi, faut que je bouffe. Faut que je bouffe de la nourriture, à moins que j'aurai une régène passive. Parce que la nourriture qu'on prépare, elle régène pas. Elle régène pas. Une tête te suit? Tu as pris la tête? Semblerait. Il m'engueule. Oh, je vais amener la tête à Bulgur. Peut-être qu'il sera content de le revoir.
ne dit rien, Bulgur, il est nul. C'est plus notre PNJ. C'est vrai. Maintenant, c'est juste un PN. Ouais! J'ai juste à passer la porte. On peut peut-être faire une amélioration. Ah oui. Milk Mola. Taille des piles de flèches ou taille des piles de consommables. Consommables ? Consommables, ouais. Hop là. Bon, dommage, on avait que 4 rouilles pile poil. Donc il n'y a eu qu'une épée. Non. On peut retrouver, je sais qu'on en avait vu, je sais juste plus où. Dans la map. On en a vu dans la map. Ah ouais? Pourquoi tu dis dans la map? Et vous? Oh, quelle joie, vous êtes revenus. Un peu recul, mon fidèle assistant. Les dire gestionnaire scientifique. En votre absence, bien sûr. Peu importe. Je suis là pour aider nos invités à rentrer chez eux sains et saufs. Je vous en prie, ne sentez pas obligé de suspendre je ne sais quelle activité. Mais what the fuck? Dans mon absence. Et retournez, gris. Vous n'avez pas encore brûlé l'endroit. Qu'est-ce que vous voulez? Plaisir de revoir un visage amical. Bon, voilà, ils étaient contents. Ils ont eu leur petite interaction. J'ai amélioré le soin, moi. Hop. Moi aussi. Mais quand je regarde sur la map, on voit les compos, alors. C'est que tu me dis. Non, c'était une blague. C'est-à-dire qu'il y en a sur le jeu. Ça aurait pu, hein. Il y en avait... Non mais viens, je sais où on va. Ouais. Même si en vrai il nous faut surtout des compos là. Des compos. Bah oui, les trucs... on a tout déjà les trucs pour régène. On a assez de dos de pied, tout machin. Après ça dépend, tu voulais aller chercher d'abord le truc. Bon ça dépend, s'il n'y a pas d'autres boss après, je sais pas. Mais c'est que de toute façon, je crois qu'on n'a pas assez donc d'or. Donc deux pieds et d'écailles. Mais l'écaille c'est facile, on va y retourner quelques fois. Si, on a assez de tout. Oh ouais. Mais comment tu sais, tu l'as vu? Bah en fait, tu ouvres ton inventaire. Et il te la propose la mixture. De la craft, bon tu peux pas, il te demande le truc. Et ça me disait que tout était en vert quand on était à la base. Ah ok. Oui je me rappelle. Ok. Sauf que je sais pas où c'est. Deux pieds, c'est pour portail de... Ah, chewing-gum, mixeur de chewing-gum. Il fallait du chewing-gum, c'est ça? Ah, je viens de dire ça. C'est dans quoi, dans le premier truc? Ouais. Alors, il nous faut de la cuir de baie, des éclats de chewing-gum. Non, on en a que 3, il en faut 5. 5 cuir de baie, 5 écailles de carpe coy, 5 ongles d'orteil et de la science grillée qu'on a déjà. Ouais, et les chewing-gums, c'est parce que je l'avais déjà pris. On en avait 8. Donc B, on est bien. Corcoy, elle est où? On avait des trucs de car... Ah oui, on en avait pris. On en avait... Ah, ongles d'orteil 5? Oui. C'est joli, ils sont... Gum, carpe, cuir de bête, on a pris 5 aussi. Ouais, il manque que le carpe. On peut mettre nos ongles de pied, nos ongles de pied de côté si tu veux. C'est dégueulasse. Je sais pas où c'est les trucs. Juste. Pas. Hein? Juste les écailles, je les trouve pas.
Ah si, là. Je vais galérer à trouver un itinéraire pour demain, j'ai rendez-vous dans l'après-midi. Les secondes Google Maps feed que des trajets à la con, zéro transport en commun. Encore grève ou travaux? Ouais, c'est possible ça. Ok, j'ai tout sur moi, Lox. Ok, je me mets de l'eau. Non, j'ai dit je me mets de l'eau. Ok. Ok, c'est bon. Let's go. J'espère que t'as un pissenlit. Non. J'aime bien regarder notre basse quand tu parles. Tyrolien. C'est bien pris de tête quand même. J'avoue que c'est stylé. Elle est stylée, c'est une base utilitaire. J'ai plus grand chose. Ça me coûte rien. Vous me direz. Tu sais, t'as des gens, ils poncent les jeux, genre quand ils kiffent comme ça. Ils poncent, ils vont hyper loin, tu sais, genre ils te font une base mais monstrueuse, sur encore 10 fois plus grande que la nôtre, et ils en font plusieurs. Ils se font des relais, ils remplissent des coffres encore et encore de compos, et ils vont utiliser, genre ils jouent 3-4 mois au jeu, quoi, t'as des gens comme ça. Et j'aimerais voir la map d'un de ces joueurs-là, tu sais, qui aurait tout fini, mais qui continuerait à jouer juste par plaisir, parce qu'il kiffe. Et j'aimerais bien voir tout ce qu'il a pu construire, c'est ça. L'emplacement qui s'est mis, pourquoi, tu vois. À mon avis, là je me rends compte que, par exemple, au niveau emplacement de la base, bon après faut aller loin dans le jeu, mais par exemple, d'ici là, de la hauteur, tu pourrais te faire un... Tu pourrais atteindre tout le jardin en fait, avec toutes les tyroliennes, t'en aurais partout là. Tu te fais une base en hauteur, mais à partir des pierres qui sont là, ça peut monter, beaucoup de compos, tu vois. Mais ça serait incroyable le résultat. Je vais me lâcher. Ah d'accord, c'est pour ça. C'est parce que deux trucs de calcul pour 3h30 du mat. Ah bon? J'ai appuyé sur barre en dessous la chaise. J'ai géré. J'appuie sur barre d'espace pour utiliser mon truc au dernier moment, sauf que c'est shift. Ouais. Il me reste 20 secondes, j'espère que t'arriveras à temps. Ouais, j'y arrive tout doucement, mais normalement ça devrait le faire, quoique après faudra courir. 15 secondes, il... Pour arriver à shift, ouais, c'est pas ma même connerie. Ouais, nickel. Ici. Je savais qu'on avait le temps. Alors. Bon alors. Mais n'importe quoi l'abeille. Qu'est-ce que tu fais? Bah j'ai pas fait exprès. Faut que je descende t'aider encore. Ouais. Putain, mais je crois que je risque de mourir moi. C'est pas une grosse chute, c'est que j'avais pas de vie. Et qu'il y a ça qui m'a accueilli. Tu peux arrêter de tomber s'il te plaît? Écoute, putain. J'ai pas pris de colle cette fois, merde. Y'a pas de coup. Me promener les quoi, les stifleurs sur Hogwarts Legacy. Non mais what the fuck, j'ai pas les rêves. Après ça dépend de à quelle heure on arrête. Si imaginons on finit dans 5 minutes, peut-être que qu'on partira pas comme ça, je sais pas. Mais ça dépend de la fin du jeu. Ça va dépendre, ouais. Je sais pas, en fait je sais pas combien de temps il nous reste de jeu. Parce que si ça se trouve il va se passer encore un boss, un gros truc pour faudra se préparer et tout ce possible. Et dans ce cas-là, on prendra ça. Bah dans ce cas-là, ouais, avec le fait de faire des allers-retours, ça nous prend du temps, donc... 10 minutes à chaque fois. Et encore... Même 15. Oh, je vais prendre des champis pour pas gâcher. Les nifleurs. Mais c'est quoi déjà les nifleurs, ces petites boules de poils, j'oublie. J'ai pas encore les noms des créatures, je les connais trop mal. Je peux le pas, là. Hein? De quoi? Vas-y, suffit.
Fleur, celui d'American Pie, ouais, je pense à ça aussi. Ouais, moi aussi, je pense à ça. Et je me suis dit... Voilà. Je ferme ma gueule. Bon, on y arrive, là. Moi d'abord. J'ai pas vu, il y a un labo juste en dessous. Je pense qu'on a déjà trouvé, si ça ne fait pas doulout doulout doulout. Ouais, c'est vrai. Mince, je sais pas pourquoi je saute partout. Ah oui, il faut aller là-bas. Oh, Lox. Quand on était près des coffres, j'ai appuyé sur N. Non, je déconne, Et c'est que je me suis posé la question. Je trouvais ça drôle. Je suis allé donner le tips à Jilo le jour. Et oui, j'étais pas sûre qu'elle l'avait à un moment. Elle était toute contente. Et à un moment, je voulais lui... Je les voyais ranger, en fait, je fais... ouais, vous savez peut-être déjà, mais dans le doute. En appuyant sur N, vous allez voir, c'est plutôt cool. Et puis, je leur expliquais pour la proximité des coffres. Avec des becs plats. Ah oui, c'est trop mignon. Ah, ça a dû être fait en dessous, vu que c'est une machine. Ça me fait marrer Jilo. À chaque fois que j'arrive sur son chat pour dire bonjour, sur son chat, elle me parle en français et en anglais parce qu'elle sait jamais qui suit, vu que je parle très 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 rarement. Ah oui, oui, bah oui, parce qu'elle a un public effectivement des deux langues. C'est ça, exactement. Après, je pense qu'elle se rencontre, mais je sais qu'il y a toujours un petit début où... Elle sait plus. Hop. Ça rigolo. Alors je pense que ça a été fait en dessous du coup la mixture. Mais c'est la... Je pense que c'est... Faut appuyer sur on maintenant. T'es dedans? Ah ouais. Allez, salut. Ah. Ça a été marrant que... Les ornithorins qui piquent des bijoux et des objets brillants. Ah d'accord, les nifleurs ça pique des bijoux. Arrêtez de... Insufficient power. Bon, celui-là, on sait qu'il y en avait un qui était bon. Plus c'est lequel? À la suite droite, je dirais, et les deux autres sont pas bons. Oh, ouais. On le savait. Pas tout de suite, là. I am the frère de Lox. I'm par le French. Exactement. Non, du coup, je lui réponds en allemand. Ça la perturbe un petit peu. Réponds que en verlan. Ah, j'essaie de casser. Je t'avais... On avait dit que c'était un énorme mixeur là. Tout à fait. J'arrive. Mais moi j'ai pas de. Ah, mais faut la clé. Merde, faut réparer. Oh les bâtards. Faut réparer. Oh, tu sais bien. La clé anglaise. Non. That's a fucking joke. Non, mais attends, est-ce que ces trucs-là, c'est relié à tous les mixeurs qu'on a pu voir sur la map? Faudrait tous les faire? Moi, je pense pas. Faut juste réparer ces trucs-là. On fait un plouf-plouf pour savoir qui fait l'aller-retour. Mmh. Allez, Lox, tu peux pas rester... Mais non, mais on peut pas faire une petite tyrolienne d'ici, là. T'as de la corde? Oui, ça se trouve. Ou alors, attends, en vrai. Attends. Il y en a une pas loin, il me semble. Non, attends, bouge pas. Attends, non, bouge pas. Non, tu vas chercher vite fait comme ça. Je lève mon armure, espèce de nulos. T'inquiète. Tu pourras prendre la colle au passage. T'as payé une enfant. C'est toujours. Je déteste. C'était mon idée. J'ai eu l'idée en premier, donc j'ai le droit. Tu peux me trouver un pissenlit au cas où. Ça marche, je vais te chercher ça. Revelio. Revelio. Ah, j'ai entendu un truc. Revelio. Revelio. Ah, non, c'est de l'autre côté. Revelio. Ah non, c'est derrière, la porte est fermée. On refait un Revelio au cas où. Allez.
On est reparti. Tu me saoules. Avelio. Ah, tu me saoules. C'est quoi qu'il faut, faut que tu me dis. Avelio, alors c'est... Une clé anglaise. Ou American, like you want. Et je me fais attaquer, Lox. J'ai pas le temps, excuse-moi. Donc merci de trouver par toi-même tes réponses. J'en ai marre. Et de la colle, et de la colle. J'en ai marre. Pourquoi j'ai... Et de la colle. Et je veux deux clés anglaises. Comme ça, on pourra tous les deux réparer parce que je sens que ça va être compliqué. Et moi, je veux que tu... De quoi ? Ça va pas, là ? Mais qui c'est qui... C'est quoi l'hélicoptère là c'est... On est passé tellement vite et on fait un plouf plouf. Attends, je te bute et prends la colle en passant. T'as vu comment il me traite. J'ai mis un seul coup. Et dans quel coffre la colle? J'ai envie de manger du fromage. Et dans quel coffre la colle? J'en ai trois, ça suffit? Envy! Non. Dans... Attends, mais tu bouges trop! Comment ça, je bouge trop? J'essaie de voir sur ton stream, là. En dessous, pétale et cuir, je dirais. Aiguille, peut-être, je sais pas. Cube. Évidemment, cube. Cube. Là, c'est UBE. Cube. Cube, Revelio, on est parti. Toi. Ah. Ouais, on prendra des sandwichs. Non, j'ai plein de bouffe. Toi. Ah, je veux bien de l'eau. Ah non, j'en ai. Attends, j'en ai. Ouais, j'en ai. Parle trop, ce garçon. Mais on t'attend là, Alox. Le stream t'attend. Envy. S'il te plaît. Venir avec quelle tyrolienne? Tu sais ce que... Alors je sais pas, la même je pense. Tu sais ce que... Tu sais ce que t'aurais dû faire? Non. Ça aurait été de prendre tout ça quand t'es morte bêtement tout à l'heure en grimpant la prise électrique. Juste une petite remarque. T'as envie que je te bute. Le labo en dessous, je suis allé voir du coup. Je fais un peu d'exploit en attendant. Je m'en fous. Putain, tout sympa. il est pas ouvert. Je pense que ça sera quand l'expérience va très probablement foirer, j'imagine. Ça spoil un peu du coup quand tu vois un labo juste en dessous qui est toujours aussi petit. Bon, pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr. J'aimerais que ça rate pas en vrai. J'aimerais qu'il y ait une. Je le pense pas. En vrai, j'essaie de chercher des clous, mais j'en trouve pas. Mmh. Bah oui, j'essaye, mais au pire, je te filerai l'épée, c'est pas... Mmh. Oui. Ça va le chat? Oh. Je change d'humeur, là. Je te parle pas. Tu m'as tué. Non, mais le problème, c'est que oui, j'ai pris la tyrolienne, mais j'ai pas de... J'ai pas de voyageur là. Bon, je lag. Normal, c'est Rimworld, c'est pas fou. C'est Rimworld. Mmh. Oui, oui, c'est Vendils qui dit que son jeu il lag. Tu joues à quoi, Vendils? Il joue à Rimworld. Je demande à Vendels, d'accord? C'est une réponse de sa part. Il joue dans à Rimworld. Moi je sais, hein. Moi je sais. Tenez à Rimworld, Lox. Oui. Bon bah voilà, je suis dans la merde. Ça veut pas. Est-ce que je me rapproche de toi pour te raise ou tu vas y arriver? Tu vas pas mourir. Moi je t'ai full life.
passer. Je ne veux pas répondre, le mot est ban. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est vraiment... Vous devriez déban ce mot. Mes modos qui sont partis se coucher qu'on fait ça. Je ne vais pas méchant. Contre mes modos. Comment on déban un world? Je peux pas. Un world. Trop loin et ma lampe qui se rallume toute seule. Tu m'as trouvé un pissenlit, t'avais demandé. Tu l'as pas fait, hein? Si, si, je suis en train de chercher. Un pissenlit? Oui. Il y en a partout. Mais j'étais... Je suis parti chercher des clous. Côté... Des clous. On est trouvé, Loxou. T'arrêtes de te méchant. Je sais pas, je trouve pas en fait. C'est bon, j'ai. Bon, j'en ai fait tomber deux et en fait, ils m'ont écrasé juste au-dessus. Et j'ai trouvé. Tu peux m'en prendre un? Oui. Même si, toi, tu mérites pas. Je l'ai perdu vraiment. Ah, c'est bon, j'ai un autre. T'as trouvé un? Moi, je vais le casser. Oh, bah en fait, ça fait deux fois que c'est des complets. Tu sais, ils sont pas en mode voyageur. Ah, ils en droppent pas. Viens, ah non, en fait, d'accord, c'est juste qu'ils en droppent donne. Pas. Tu me l'apportes? Yana, mais non, on va réparer ici enfin. Allez, c'est long là, déjà je peux faire des. Je viens de juste me taper un retour, c'était chiant. Mais. Tu l'as posé? Ah oui. Et je veux bien une des clés, s'il te plaît. Ah, je n'ai pas qu'une. Ah, je t'ai demandé. Bon, bah, hein, je vais t'aider à réparer. Et bah, c'est pas grave, tu m'aides pas. T'as tout réparé toute seule, t'es con. Voilà, c'est bon, voilà. C'est fini. T'avais besoin de deux clés? Attention, là, faut faire attention. Il était au-dessus de moi, le dès que tu retournes. Il est plus. C'est mieux. Lax la bricoleuse, c'est moi. Oui, c'est elle. Il faut lui parler. Plastique de Trudy, la garantie. La garantie sera nulle. Subterfuge, destruction réfléchie d'appareil. Quel manque total de respect pour la science d'autrui. Tout cela. Mector, à lui, ça va être le prochain. T'auras plein nez. Je dois vous avouer, le processus de fusion pour le cocktail d'agrandissement est assez bruyant. Il continue à attirer l'attention des petites armées. Okay, enfin du non, temps, me préparer, j'ai peur. J'en ai peur, oui d'accord. Nous devrions construire des défenses. Une structure défensive assez solide autour des points faibles. Ah, ça va être un énorme truc alors, un énorme assaut. Attends, j'ai une installation de stockage pas loin d'ici qui devrait être utile pour votre pour cette entreprise. Je marquerai son nom à tous les coups, c'est le labo. Ouais, en dessous, ouais. Nous pouvons trouver des fermé en plus. D'où viennent les orques? Nation dominante. Une sorte d'installation cachée dans le jardin. Vous pouvez localiser. Peut-être est-il caché dans le non, docteur Tully. Où allez-vous pour savoir où? Ah,
Oh putain. Peut-être juste derrière le... Il répond. On n'avait aucune idée de où il se trouve, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que... Il n'y a aucune idée d'endroit où il se trouve, désolé. Ok. Bon, et ben, alors l'entre... Il est censé nous avoir indiqué un pot sur la carte. Ah, mais il y a encore point d'exclamation. Est-ce que je mets commençons ou comment? J'ai peur que... Test, on verra. Est-ce que j'ai peur que ça commence le l'assaut? Comme ça, ça sera... T'as la clé au pire. Essaye, on verra si tu nous envoies... Ouais, tu vois. C'est mon stocker. Ok. Pas découvert. Il est où? Je pense que c'est en dessous, je vais... Ouais, c'est ça, c'est passé vert. Wait a minute, wait a minute. I'm coming, I'm coming. Je m'attendais pas du tout à ça. Lox, il mange, il y a une trappe au-dessus de ton bocal. Oh, oui, sûrement. Oh, il y a plein de coffres. Ah si, oui, d'accord. Là. Quoi? Bardane épineuse. Merde. Bardane, what is that? Oh, des confous à la con, tout ça. Enfin... Ouais, mais là c'est déjà plus intéressant, mais oh la vache! Il y avait pas une potion pour porter plus là? Si, je crois. Lourde charge, si. Sommet. Voilà. Quoi? Ok. Du coup, faut construire quoi comme défense? Des murs et tout quoi. Pour, on y a beaucoup d'insectes. Vraiment beaucoup. Il a même pas fait une table de craft ici. On les allers-retours d'enfoirés quand même. Mmh. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant quand même. Oh la vache. Il y a totalement de faire une tyrolienne ici depuis pour aller jusqu'à chez nous, je pense. Ouais, mais après, ils donnent de bonnes coupes, hein, les champis et tout, là. Ouais. Table de craft. Je sais pas ce que c'est les bardanes épineuses, c'est sûrement pour faire des... Oh, faudrait trop aller l'inspecter à un labo ça. Mm. Ah, tu l'as fait? Non, non, je l'ai pas fait. J'ai juste looté. Ah. Après, si tu me tues ou que je te tue, tu peux retourner à la maison. Et on peut essayer de voir si depuis là-bas on pourra pas faire une tyrolienne. Ah mais non, non ça va être... On n'a pas de soie. J'hésitais à prendre genre du reprendre. Mais surtout qu'on a full compo ici, hein. Au final c'est très bien. Oui mais qu'il faut. Pour aller analyser. Ouais, ouais mais analyser, il y a sûrement un labo pas trop loin. Ouais, allez voir. Comment je fais des allers-retours. Mmh.
Ok, je vais analyser le truc. Tiens, un labo assez proche, je vais ouvrir la map. Quoi ça? Une vie. Ah, super mixeur. Labo, pas de recherche. Ok, il me faut de la safe pour faire la table de craft. 240 cm. Ok, je vais te ramener si tu peux. Il faut quoi d'autre? De l'herbe. Hop. De la sève. Hein. Elle me faire de mon côté pour plier. Je me plie en deux. Ça marche, Sam. C'est bijoux. J'espère que ça ira mieux demain. Salut, Sam. Et très bonne nuit. Giga bonne nuit. Oui. Ça va. Pas très longtemps là. Ok, je vais arriver. Labo. Ouais, piège. Explosif. Effectivement, la bardane, ça fait des pièges. Bon, je reviens. Coccinelle de merde. Où es-tu? Tu. J'ai pas de safe. Est-ce que j'en trouverai là-haut? Je suis même pas sûre. J'ai pas envie de monter. Je vais continuer à chercher. De la safe. C'est vrai que j'en ai pas trouvé du tout. Bah ouais, il faut un arbre. Il y en a pas, fait chier. Mais après, je sais pas s'il faut, s'il y a besoin. Pour faire la table de craft, pour crafter les... Crafter quoi? Bah les protections, les murs, les tout ça, les trucs qu'on vient de débloquer, les pièges. Ouais, y a pas besoin. Pas besoin. Bon. Bah ouais. Pas, tu dois toujours être mobile quand tu construis. Et pour aller placer. Trop horrible sinon. Alors, fabriquer. On a ramené assez de chance et air, mais bon. Bien. Des planchers en bardane. Ouais, c'est très solide la bardane, mais. Moi je suis pas aussi. J'ai pas de mur en bardane. Bah ouais, c'est sur la table de craft. Mais on a. Ah oui, on a les murs en champignons qui sont très solides. Mais non, y a rien, ils existent pas. Mais on a débloqué plein de trucs en bardane, des planches incurvées et ouais. Tout ça. Ouais, juste des sols, des trucs, des conneries, mais pas de mur. Mais c'est à quoi la table de craft alors? Bah rien, je sais pas pourquoi tu veux la faire. Mais, non, mais de base dans le jeu. Ah bah pour les outils, tout plein de choses. Par exemple, tu peux pas faire des armes et tout, ça. D'accord. Bizarre, je pensais qu'il y en avait plus de craft.
what we can find. Je vais essayer de récolter des trucs alors. Ah, si tu peux m'emmener du champignon, au pire. Là où t'as mis ton point, c'est là où il y a le labo ? Non, non. Ah ? Ah oui, oui, c'est le labo. Pourquoi t'as besoin d'y aller ? Bah, pour voir ce qu'il y a, parce que je vais pas. Non, c'est pas un labo, c'est. En poste de recherche, pardon, pour l'heure. Non, le labo, t'as été avec moi, c'est le même labo. Mais il y a énormément de champignons dans les coffres, il faut le ramener. Ouais, mais y'a plus de points. Le labo il est en dessous le point d'exclamation. J'ai pas besoin okay. de. Ça pète quand tu stacks tes objets. Hein. Hop là. Ok. Parce qu'ils ont pas de pas. Ok. Pas de bras. Les oiseaux. Pas de bras. Je vais terrifier. C'est horrible, j'ai toujours peur qu'il va le dingue par l'avant, c'est affreux. Comme ça. Ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens. Bon, j'ai protégé deux. Bon, je pense que c'est pas assez, hein, mais. Je sais pas quoi construire d'autre. C'est très surprenant. Regarde les trucs d'explosion en bardane, là, je sais pas quoi. Ok, mais si tu as amené du champignon ou pas, tu vois ça. Ouais. Je vous bien et je trouve Josie. Hein ? Pas compris. Je veux bien et j'essaie de voir les trucs explosifs là. Il faut des moisissures, mais ça on en a pas. Très volatile. Oh ouais, il est tombé par. Et qu'il est touché par quelque chose d'épicé. Donc une flèche quoi, tu le déclenches. Ouais. Je sais pas. Enfin, on a de quoi faire les tourelles. J'ai quoi faire une tourelle à gravillon éventuellement. Ouais, mais ça, le problème, c'est qu'il faut être dedans. J'avoue que je suis pas trop fan du concept. Ça m'inflige des questions de créature impliquée dans des événements défensifs. Non, non, vas-y, mets tes trucs et je vais faire tout dessus plutôt que de les jeter par terre. Le problème c'est que là j'avais que ça quoi. Là j'en ai déjà plus. Ah mais il y en avait énormément. Ah bon? Ouais ouais dans tous les coffres qu'il y a, il y en avait vraiment beaucoup. Je sais pas, j'ai fait les coffres, il y en avait 2x3 je crois. Bon, faut regarder dans toutes les salles mais ouais non il y en a pas mal. Mm-hmm. Ok. Bon, j'ai mis le champi, je sais pas quoi faire du reste. Bande à pointe, on peut pas, il faut plein de merde.
et le coup de leur bardane là. Il y a pas de mur quoi, il y a que des sols et tout. Je l'allume et je check. Non, il y a pas. Il y a vraiment que des sols en bardane. En plus, il fait de la corde à un peluche à chaque fois. Complexe. Je pense qu'on peut faire un truc de gravillon vu qu'il y a plus de dégâts pour les événements. Je pense que c'est pas déconne. Ouais, si tu veux, si tu veux. On va le placer bien. Ok. Alors, on va ramasser des gravillons. Ouais, je ne trouvais. Mais c'est vrai que bon, après, cette tourelle aussi c'est prévu parce que bah, 4, t'en as un dedans et c'est pas un problème quoi. C'est ça, ça me semble un peu ballsy de se retrouver pas bloqué, hein, tu peux sortir mais. J'ai jamais réussi un mixeur, j'ai l'impression qu'on fait l'ultime, tu sais. C'est vrai qu'on. On n'a pas beaucoup fait ça. Et si ça se trouve, dans la salle qui s'ouvre que si on a fait 8 mixeurs, il y a un truc défensif de fou. Pour le moment, c'était un peu ça, quoi. Et notre expérience était chaud. Moi, je fais comme une tourelle. Fabriquer la tourelle à gravillon. Au milieu, surélevé. Alors on a un là et un là. Ouais, là elle est bien. Ouais, mais bon. Elle pourra pas se tourner en fait. Moi aussi, peut-être. Ah, t'as tout récup les champis, les murs. Ouais, j'ai tout mis normalement. Y a pas de mur. Faut checker, mais je crois qu'il y a plus de mur vide. Ok, ben bah on va tenter, hein. Ça va. On peut se tourner. Ok. Attends, je prends un stock de gravillon. Ça va pas être simple, hein. Je me rappelle plus, t'avais pris de la colle ou pas? Ouais. J'en ai sur moi. Attends, t'es ouf. Mmh.
Je mets là. Oui, merci. Tiens, t'as des plats, Lox, un peu ou pas? J'en ai un. Ok. T'en donnes 2, 3. Mais j'ai pas pris ceux qu'il y avait dans la réserve. Enfin, dans le. Ok, j'ai pris. Je te donne des grappes. Ouais. Là, je t'en donne un dernier. Je te donne le Il me reste 5 des plats. Ok. Ah, mais là, je et suis full. Et faudra prendre une mixture, je pense. Et puis voilà. Là, je suis full. Je vais faire juste. J'ai des trucs. J'ai des trucs que je récupère. Ah, des trucs de gland. J'en avais deux de chaque. Tiens, je t'ai remis par terre là. Les bouffes. Merci beaucoup. Bon, et eh ben je te propose qu'on aille lancer. Et puis ouais. On verra bien. Faut faire quoi pour lancer? Faut retourner là-haut, je pense. Ouais. Tu t'en occupes? Yeah. Est-ce que tu veux que je te donne la clé? J'en ai pris qu'une, j'étais un peu con. La quoi? La clé, au cas où tu dois réparer. Non, bah non, tu le feras, je pense. Ouais. Ouais. Bien. Hop là. Tant pis, sur l'un de nous deux, de toute façon, ça va nous bloquer. C'est pas fou. Je vais prendre la masse. T'as la masse. Ok. Finesse. J'aurais bien fait une mixture qui régène l'endurance, là, pour ce genre de combat. Ouais, je suis d'accord. Ça aurait sûrement été plus efficace que des dégâts qui changeront pas le nombre de coups que tu mettras pour tuer les ennemis, tu sais. Ouais, j'avoue, ouais, t'as 10% de dégâts, mais ça changera. Si jamais c'est beaucoup de petits, de toute façon, c'est ton swing au final. Je descends vite. Ok, je vais voir. Rien pour le moment. Putain, c'est des moustiques. Ah, des tigres. Là, y a pas de soucis, c'est des tigres. C'est pas mal, hein, la tourelle. T'as l'air de faire mal. Oh. Ah, j'ai entendu une aile. Oh, c'est là-bas, c'est de l'autre côté. J'y vais, c'est pas des... Okay. Ah, c'est des fourmis. J'y vais. Ouais, t'as pas au même endroit que moi, s'il y a plusieurs, c'est... Et comme ça, on défend plusieurs. Allez! Ok. Ça clignote en rouge quand ça attaque, c'est bien. Il y en a sur celui du milieu. Oh, j'y vais, tu peux pas l'attendre. Je suis à gauche. À gauche, il y en a aussi. Oh, il y a un bombardier. Oh putain. Oh la vache! J'avais pas à consommer ma potion, je l'ai fait là. Moi aussi, je vais faire là. Hop. Y'a une putain de luciole. Ok. Ça me fait chier. Ok, je prends vite une popo. Je vais prendre ça. Hop là, en plus ça m'en gêne, c'est pas plus mal que je l'ai posté maintenant. Petite, comment ça? Ah punaise! Elle envoie des. Oh, mais horrible les petits. T'as qu'un rien de merde là. Je vais sur l'autre. Ouais, parce que là ils attaquent que dans l'angle mort de ce côté là, c'est des bâtards. Ok, les trucs qui volent, je peux les faire à la tourelle. Tac. Ils ont pété un mur ce fils d'eux. C'est bon, mort. T'as toujours du champignon sur toi ou pas? Je vais essayer. Hop là. Je vais essayer de réparer, je vais voir. Ah, je peux pas quand t'es en combat, c'est mort. Oh merde. Ah oui, bah c'est mort. Y'a un truc qui attaque là. C'est où? Oh, ils sont là. Les acariens, ils attaquent. Oh, y'a une coccinelle. Oh putain. Mais tellement. Oh, c'est une coccinelle agressive. J'arrive, je vais essayer de la défoncer avec le truc. Tac. Ouais. Elle est où? Allez au milieu. Ah, oui, tu vas l'avoir en tournant. Oh putain, je prends tellement cher à force. Attends, je vais faire la fourmi. Oh, je vais... Je vais taille ma race. Ouh.
Attends, je l'occupe, regarde s'il y a autre chose qui fait chier. Ouais, y a autre chose. Oh, y a des fourmis à droite. Oh, faut que t'ailles même réparer après que tu les aies tuées. Hop là, attends, j'en fais une là. Voilà, c'est bon, et je vais de ce côté. Oh merde, oui. Oh, merde, allez vite. Putain, j'ai plus d'endu. Allez, avant, je suis connard de personnage de merde. Répare-le tout de suite. C'est très très rapide à réparer. Mais un coup de thé, quand tu es en urgence. Je peux pas prendre une attaque. Ok, d'accord. What? Je suis mort. On m'a tué de toute façon. Jamais tu peux me raser vite fait. Ouais. Oh. Ok, on est pas prêt. Qu'est-ce que c'est que cet événement de bâtard? Mais ça va être tellement dur. En fait, il faut qu'on mette des couches et des couches et des couches. Ouais. Moi, je pense que c'est pas déconnant d'essayer de faire une tourelle et. Une toile. Une tyrolienne et faire un truc de malade. Franchement, une fois, je peux amener assez de champignons pour faire des couches de mur, hein. C'est pas trop un problème. Mais si tu. Ouais. C'est surtout qu'il faut qu'on. Vache, le truc de malade. Ouais, c'est un peu foufou. Je suis trop surpris. Ils ont fait un event de ouf là. Et limite on était à deux, pas prêts. Super dur. On était qu'à la moitié quoi. Attends, faut que je... Faut mettre des couches, faut même protéger presque au-dessus. À cause des volants. Mur comme ça, c'est pas mal, mine de rien. Le volant depuis la tourelle, en vrai, c'était bien, c'est juste qu'il faut. Ah, mais y en a qui se mettaient derrière. Ouais, c'est vrai. Après, j'en ferais bien une autre mieux placée, mais bon, avec le temps de bouger d'une tourelle à l'autre. Après, ouais, hein. De toute façon. J'en suis sûr qu'on pourrait être tous les deux dedans parce qu'on pourra jamais couvrir tous les angles. Ouais, c'est vrai. Mais au pire, il y en a un qui peut jouer avec les tourelles, quoi. Après, elle tire loin, non, la tourelle? Oui, ça va, hein. J'avais pas de problème on de portée. On peut pas te faire une tour où tu t'y mets et gros stock de gravillon et. Petite tour, tu sais, voir le derrière, je sais pas, genre. Regarde. Le problème, c'est que. Même si, mettons, t'es là, regarde, déjà. Parce qu'ici, tu pourrais pas couvrir tout le côté je crois gauche. On pourra construire là-dessus. Déjà. Non, mais c'est juste pour la hauteur. Viens, okay. S'il te plaît. Attends, je répare oh, les murs en champi, c'est très long. Ah ouais, non mais c'est un truc de fou qui nous reste à faire, hein. C'est pas... Ouais. Je suis trop surpris, je suis choqué. Mais alors, niveau hauteur, c'est à voir. Bah après on peut la déplacer et voir, hein. Bon, hop. Non mais je... Ouais, puis si c'est pas trop mal, le truc c'est que t'as quand même des angles morts. Ouais, t'en auras forcément. Donc c'est vrai que, en fait, bah, ce qui est chiant, c'est que si elle est très haute, le fait de faire des allers-retours, c'est. Tu vois, si on est que deux, donc ça va se. Non, je serais pas très 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 haut, mais un petit peu, tu vois, légèrement. Une petite tour. Et même là, on peut être malin, on peut bloquer. Genre, tu vois, ici, je peux mettre un mur comme ça en fait. Mince. Voilà, comme ça, tu vois. Bloqué en gros, qui passe pas là les mobs, pas derrière. Je vois. Voilà, comme ça. Après ici on peut rebuild, tu vois. Un problème ça. Tac, on renforce. Toujours deux épaisseurs. On peut faire un. Ouais. Ça. Laisse le pattern pour le moment. Tout seul, ils t'entendent pas dans ce jeu. Non, je pense effectivement que tout seul, il y en a qui le font, hein, mais c'est vraiment un jeu prévu. Parce que là, on est même pas c'est en mode difficile. Je pense qu'ils sont obligés de faire attention à tout, quoi. Mais c'est vrai que bon, seul. Il y a tellement une grande envergure ce jeu qu'effectivement, seul, même avec le
tous les tours, des milliards de choses à faire et tout, c'est compliqué. Usable, faut avoir de la patience. Mais c'est compliqué. Parce que s'il faudra mettre un mur. Ah mais là il en reste un là. On a foutu champignons là-bas, je vais chercher, hein. Franchement on va faire des trucs. Et puis peut-être pour mettre des trucs, des picots et tout. Ouais je pense aussi. Au moins la première vague est le dégât. Je vais arrêter la VOD ici et puis là, quand on aura fini tout ça, si on finit soir ou pas, je pense pas parce que ça va être très 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 énorme ce qu'on a à faire. Mais ce sera cette semaine quoi, je pense qu'on finit juste cette semaine. En tout cas, bisous, la VOD.